Avec DJ Théo le rétro pour ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons, sans plus tarder, entamer les choses sérieuses. Comme au village. Comme au village, parce que ce soir à New York, nous sommes au village, dans un village bété. Le village bété à New York. Le village bété de New York. Alors, comme ça se passe au village, je vais vous annoncer. Au village, on n'annonce pas. Mais comme on est ici, là, on va parler. La sœur Afri Mélanie, pour vous montrer un peu comment ça se passe dans nos villages. Voici comment ça se passe, un peu. Dans nos villages, pour annoncer, bien sûr, l'entrée en scène du chef du village, Afri Mélanie. À New York. Amen.
Thank you.
village là, non? Calvé, non? Ou bien? Abé, Agnès, Ayo. Ayo, Kakaka. Le cher vous salue. Vous souhaite la bienvenue. On a dit donné là. À Péote. En bas, Gregui. Il va pas être non. Il va mourir là. À oublier. Na unya wazide. La quatrième édition. Na wala gire. Allez en bas, nyao. Du village Bété, à New York. C'est la quatrième fête que nous organisons ici à New York. Sangbalak, ana de yuru, amu beogregi, ana ambarinya. Cette quatrième édition, ce n'est pas la fin. Nous continuons et il fait déjà tard, comme le peuple le dit. Je vous remercie tous d'être venus. Le chef du village a été bien sûr vous dit merci d'être venu ce soir, comme vous l'avez fait, et puis comme vous faites depuis 4 ans. Nous avons pour tradition, n'est-ce pas, de faire appel à des délégations. À des délégations, bien sûr, pour montrer encore une fois que nous, en Côte d'Ivoire, on est plus de peuple et nous parlons tous notre langue. Alors ce soir nous avons tiré trois groupes ethniques de Côte d'Ivoire. C'est vrai que par le passé, on traînait un peu dans le temps parce qu'il fallait donner la parole à tout le monde. Nous avons décidé cette année de faire appel à trois groupes de Côte d'Ivoire. Les premiers à passer ce soir donc seront les bourreaux. Les bourreaux bien sûr vont parler. Le bourreau aux États-Unis d'Amérique, ici à New York, Ivoirien, apprécions-nous bien sûr, apprécions notre savoir-faire. Je vous demande donc d'encourager nos frères bourreaux qui sont là ce soir. Dis quoi, Nekadon, le micro va traduire. Le deuxième micro. Dis quoi? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, les invités. Ogola bianzo yare na ku fusuru kudre no nya do awre fo fi na kana kuda kubra ya ni yo nyano ka tu flami ka fado do no kudre kubra na ku nyira mura ku cha ku ku jenera ni les petits et les gros c'est le même peuple. Donc si les petits sont là aujourd'hui, nous c'est normal que nous soyons là aussi. Donc c'est normal que nous soyons là pour soutenir la BT. Donc nous sommes le même peuple. On vous salue. On vous remercie. Que la fête soit belle. Que bien sûr la fête soit belle ce soir avec nos frères bourreaux. Que la fête soit belle. Peuple de Côte d'Ivoire, ce soir nous vivons notre diversité. La diversité culturelle, la diversité ethnique, la diversité du peuple, du peuplement de la Côte d'Ivoire. Merci. Et donc, juste après donc les bourreaux, nous allons faire appel à nos frères les Atiers. À nos frères les Atiers. À nos frères les Atiers. Bonsoir. Je vous dis bonsoir, bonne arrivée. À quoi va, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de bêté en naissant là-bas. Ce soir, on est ici avec nos frères bêté. Ce sont nos frères. Nous sommes là avec eux ce soir. Nei,
quand le bété à qui à qui en camp devant les Guinéens, on s'est dérangé mon papa mon assis. Aujourd'hui, les bété et les attiers sont devenus un. Et ça, c'est depuis le pays. C'est pas seulement ici. Donc à chaque fois qu'ils ont quelque chose, nous sommes présents. Ba kwayu akia ba 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 ken nasile zo ko kenji ko ka gbo ma fin kun ne kenai fa ke an ba fu ba e bon zo boa ka mu ba ba mon nasin 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 le chef on dit merci au chef, on lui prie pour elle, elle lui dit que, qu'elle est l'homme lui, qu'il est l'homme lui plutôt, le chef, qu'il a... Ok, je suis que l'œuvre, bien sûr, ce n'est pas une œuvre facile. Ce n'est pas une œuvre facile. Donc, elle dit... L'homme vit au chef, merci de nous avoir invités, de nous compter sa famille. Et que chaque année nous serons là, même s'il pleut, même s'il neige et tout ça, nous serons toujours là avec eux. Merci. Merci encore une fois à la délégation, à nos frères bien sûr, les attiers. Juste après eux, nous avons l'intervention des Malins et de Boundiali. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est cette diversité. La Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est cette diversité que nous expérimentons ce soir pour nos enfants qui sont nés ici et qui ne savent pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire ce soir. Vivez, vivons ensemble l'expérience de la diversité ivoirienne. Anoura. Génération-là. Et si jamais il a eu à dire des mots qui ne sont pas justes, c'est que ce n'est pas les jeunes, les vieux qui nous ont dit. C'est sûrement c'est l'erreur de jeunesse. Et ensuite, il voulait tout simplement dire ce que vous faites là, c'est de l'amusement, mais c'est intéressant. Parce que c'est ça qui est le plus important. Quand on se retrouve, parce que je dirais que depuis cette année, il n'y a pas mal de grandes soirées. Les gens viennent. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une preuve pour dire qu'il y a une solidarité au niveau du peuple bété. Et le président aussi nous a chargé de dire un grand merci au chef, comme j'appelle le chef, pour lui dire que, Inetje, chef des villages, Inetje, vous n'y arrivez pas là. C'est ce que je voudrais vous dire en deux mots. Merci. Merci. Merci bien sûr, acclamons mes frères de Boundiali, les Malinké bien sûr de Boundiali qui vont céder la place au ouais. Oui, qui a dit hein? Oui, les ouais c'est la Côte d'Ivoire. Les ouais c'est la Côte d'Ivoire. Et ce soir, ils vont bien sûr parler le ouais. Mais moi,
Ibrahim est demandé. Elle est en pété, elle est en wobe. Elle est ensemble. Elle est dingue, dingue. Pété, ouais. Elle est dingue, dingue. Quand la guerre s'y aille, ainsi que ses sœurs, ses femmes qui sont venues très nombreuses et très nombreuses. Vous savez, en Péoué, quand un frère est en train de pleurer, il faut aller à son secours. Raison pour laquelle Paul Bossian, aujourd'hui, il s'est présenté en disant qu'il remercie le chef du village et ses femmes qui sont venues très nombreuses. En Péoué, nous sommes toujours là pour aider les frères. Nous remercions le chef du village pour son invitation avec toutes ses femmes. Merci encore pour l'invitation que nous avons reçue. On le remercie et la vie continue toujours. Merci. Merci, merci à vous. Merci à nos frères les Wen. Nous allons maintenant faire appel au groupe Awane de Boston. En fait, Awane, c'est des BT. C'est des BT, en fait, c'est un groupe qui est au niveau de Boston, travaille dur, n'est-ce pas, pour permettre aux BT d'être ensemble. Alors ce soir, nous savons qu'il y a une forte délégation et c'est pour ça que, bien sûr, les acclamations continuent. Alors je vous demande, mesdames et messieurs, pour spécialement leur dire merci d'être venus. Je vous demande de les acclamer. C'est vous. Nous sommes à Boston, mais on sait que le village Bété a toujours une fête annuelle. Et aujourd'hui, le chef du village nous a fait l'honneur pour nous inviter, pour venir les soutenir. Nous avons une délégation de 10 personnes venues de Boston. Et nous sommes venus vous soutenir. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Merci bien sûr à Awane qui est venu. Merci à Awane bien sûr qui est venu de Boston, une délégation de 10 personnes à qui nous disons merci d'avoir effectué le déplacement ce soir. Merci à Awane, c'était bien sûr l'un des aspects forts de ce soir. Comme nous l'avons annoncé tantôt, on a vraiment deux de nos frères. Chaque année quand on vient là, eux ils sont là. On dirait même eux-mêmes, c'est New York, ils habitent quoi. Hein? Et quand c'est comme ça là, c'est des bagnons aussi, c'est des grands types, c'est des grands frères. Ils sont beaux, ils sont bien. Et nous avons pour tradition, bien sûr, de leur arracher la parole. Alors, le frère
Michael, ce soir. Michael, ce soir. Michael, ce soir. Merci au chef du village. Et merci pour la présence de tous les frères qui sont venus. Et je voulais aussi remercier et vous présenter encore le groupe Awané qui est présenté par la présidente Raïssa. Faut te lever la présidente. Voilà notre présidente. En tout cas, quelles que soient nos occupations, on s'arrange au fait qu'on puisse se libérer pour cette occasion. Et je suis très content d'être là. Et je suis aussi très émerveillé de voir mon fils qui est le bagnon. Il a appris beaucoup à danser, c'est bon. Merci les frères pour être venus, je vous remercie. Merci, merci, merci. Merci à Michael ce soir venu de Boston. Nous avons maintenant l'intervention, bien sûr, de Dr Nari Apollinaire. Où il a quitté la main, il ne connaît pas, hein, parce que lui-là, j'ai dit là, on dit c'est New Mexico. Merci. Je voudrais dire merci aux invités, à tous nos invités, d'être venus ce soir. J'ai dit nos invités parce que moi-même, je suis bêté, donc normalement, je peux toujours être là sans invitation spéciale. De deux, je voudrais remercier le pasteur Isaac pour les paroles fortes qu'il nous a données ce soir. Trois, je voudrais que tout un chacun ici soit fier de lui, mais d'elle-même, si c'est une dame, une femme, parce que ce soir, comme vous le savez, on a eu la chance d'avoir cette énergie, cette santé pour pouvoir être ensemble et nous amuser. De pouvoir être ensemble pour jouir de ce que on a la force et de l'énergie pour marcher jusqu'ici, pour que on soit en famille. Ce soir, comme vous le savez, il y a d'autres personnes qui sont groupées actuellement dans les hôpitaux. Il y a d'autres personnes qui sont groupées actuellement dans les prisons. Il y a d'autres personnes, nos parents, qui sont groupées en train de gémir de douleur dans leur case, que ce soit au village, que ce soit quelque part d'autre. Je voudrais vous donner mon avant-dernier mot pour dire qu'il y a, parmi ces personnes qui ne sont pas là ce soir, il y a un ministre, Bété, qui n'est pas là ce soir, et je voudrais qu'on ait quand même une pensée spéciale pour lui, et qu'à tout moment, qu'on souhaite qu'un jour, il soit parmi nous ici, et celui-là que j'ai nommé Laurent Gbagbo. Pour finir, et je sais que j'ai eu beaucoup de demandes, des frères, des sœurs, et ça fait plusieurs fois que je viens ici, pour les gens qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé 17 ans à New York avant de quitter New York, mais je vais un jour revenir comme j'ai promis. Mais avant que je ne vienne, je voudrais de façon solennelle, et c'est mon dernier mot, de façon solennelle, demander aux frères, aux chefs, aux parents, demander que je sois membre à part entière du village Bété. Je dis solennel parce que je vous prends un témoin. Là, si je suis refusé, je sais que c'est devant tout le monde et peut-être qu'ils auront un peu honte pour me voir leur groupe. Donc, chef, ce soir, je demande à être membre de ce groupe Bété. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que je fais un peu tard. Je vous remercie.
avons donc, avant de passer à l'un des aspects, bien sûr, de cette soirée qui est le repas, je sais qu'il est tard, nous allons donc ensemble partager le repas et après ça, commencer les choses sérieuses. Mais bien avant, le chef a un mot à dire. Chers amis invités, bonsoir. Je ne vais pas trop tarder. Je crois que ce soir, c'est un jour spécial. Donc, parmi les invités ce soir, je voudrais distinguer un grand frère qui est toujours présent à nos manifestations, du nom de Michael Zouzoua. Je vais l'appeler ici devant vous. Boston. Donc à cette occasion ce soir du tribunal 2015, au nom du village et de moi-même, je vais l'habiller tribunal 2015. Michael Zouzoua. Michael Zouzoua, qui sera bien sûr habillé par le chef du village. Michael Zouzoua, le Tigla 2015. Michael Zouzoua, que je vous demande, mesdames et messieurs, bien sûr, d'acclamer. Michael Zouzoua, le Tigla 2015. Pour service, bien sûr, pour sa présence. À nos côtés, chaque fois que nous l'avons fait, Michael Zouzoua a été ici à New York. C'est pour ça qu'il reçoit cette distinction symbolique du chef du village. Et voici bien sûr la photo de famille, les sages qui sont bien sûr avec le chef du village pour faire la photo de famille, bien sûr, avec l'intronisation du Tibet 2015 à la personne de Michael Zouzoua. Je vous demande encore une fois d'acclamer mesdames et messieurs. On vous avait parlé de surprise hier ce soir. A un mot à dire sur la personne de Michael Zouzoua. Le doyen Tapa a un mot à dire sur la personne de Michael Zouzoua. DJ Théo, quand je vous ai prêt, je pars. Que dans la tradition, la musique est ce qu'elle est. C'est pourquoi DJ Théo le rétro. On fait grâce de cette intervention. Bien sûr. Apprécions bien sûr la musique ivoirienne. Merci à DJ Théo. Maintenant que je donne la parole à Docteur Tapa. Docteur Tapa, parle-nous de Michael Zouzoua. Docteur Tapa, bien sûr. Ok, je ne vais pas être long. Michael Zouzoua mérite une dissection spéciale. Depuis que nous avons créé tous les mouvements, Michael est toujours à nos côtés. Tout ce que nous avons créé, Michael est là. Mais ce que vous ne savez pas particulièrement, c'est qu'il est l'aigle de Boston. Chaque fois qu'un BT se trouve dans une difficulté où il ne peut pas s'en sortir, il est le seul à mettre la main dans la poche. C'est 20 000 $. Il va sortir sur le billet.
pasteur. Est-ce que je peux vous expliquer ça pour moi? Soyez bénis. Amen. Voilà, merci. Comme le frère Nari, vous l'avez entendu, il a dit qu'il a fait une demande d'adhésion au village Bété, et cela a été fait devant toute l'assemblée, solennellement. Donc j'ai dit au frère Nari qui est là, que sa demande est acceptée. La demande du frère Nari est acceptée à vie. Et je vois le geste symbolique, le travaillement. Donc de ce fait, je vais appuyer le frère Nari pour lui dire bien donner dorénavant les membres du village Bété. Le frère Nari, bien sûr, va être appuyé par le chef du village pour lui dire qu'il est un fils de ce village, le village Bété ici à New York. Personnes qui sont spéciaux dans ma vie. Spécial dans ma vie. Excusez-moi. C'est la même que nous, ça passe. Je crois que ces deux personnes m'ont beaucoup supporté dans ma vie. Et je pense que ce soir, ils sont venus spécialement du Canada. Je crois que je vais leur demander de venir ici. C'est ma soeur et son mari, monsieur. Monsieur et Madame Zébé, merci pour votre soutien au chef du village et donc au village Bété. C'est une surprise. C'est la grande sœur du chef du village avec son mari qui sont venus ce soir encore pour témoigner. Qui sont venus de Montréal. De Montréal pour soutenir le frère, le chef du village, était ici à New York. Bien sûr, il voit un débat qui fait la rentrée solennelle de la rivière, accompagné bien sûr. Il va débattre bien sûr qui est l'association
Véronique Foilou. J'habite New Jersey et je suis venue pour la fête des Bété, qui est une fête de tous les Ivoiriens en quelque sorte. Et en tant que femme ivoirienne, à quel niveau cette fête vous anime? En fait, c'est la promotion de la culture ivoirienne en quelque sorte. Parce que qui dit Bété, d'abord dit Ivoirien. Et quand on apprend qu'il y a une fête Bété annoncée à New York, ça concerne tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'Ivoirien seulement de l'Ouest. L'Ivoirien de l'Ouest, du Nord, du Sud, nous sommes tous un. Et nous sommes là pour soutenir nos sœurs, nos frères, et nous sommes ensemble. Et je m'appelle Michael Zouzoua, je viens de Boston, Massachusetts. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir représenter à Boston d'abord et aussi participer à tout événement des Ivoiriens et de aussi faire rehausser la valeur des Bété que notre culture. Ben, quand on jette un coup d'œil dans la salle aujourd'hui, on retrouve tout le monde. Voilà, donc personne n'est laissé au hasard et je crois bien que c'est ce genre d'événement qu'on a besoin ici. Voilà, regrouper tout le monde un jour pour quelques heures et puis bon ben on célèbre le pays. Donc ce soir, avant de le présenter, je vais vous dire que c'est un frère, je suis très fière de lui. Il est banquier, il vient de Fila, le président de Fila. Alors comment s'est passé le trajet, cher frère? Mais d'abord, j'aimerais te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer sur vos antennes. Donc, c'est une très belle fête. C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi d'être là. Encourager la communauté, les frères Bété. C'est la deuxième fois que je viens à New York. Et à chaque fois que je viens, ça a toujours été un plaisir. Donc, voilà, ça fait plaisir d'être là. Et merci à Ivoire TV pour tout ce que vous faites pour la diaspora. En fait, le village Bété, c'est vraiment un bon exemple. La première, deuxième, troisième et quatrième édition, j'ai participé. J'ai vu l'évolution. Donc, je les félicite. Parce que voir toute la Côte d'Ivoire réunie, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, vraiment, c'est la fraternité, c'est beau. Et le chef, je le félicite, je lui tire un chapeau pour le travail qu'il a battu dans sa communauté. Et c'est un modèle à suivre. Vraiment, je le félicite. Que tout le monde suive cet exemple. En tout cas, c'est une fierté, je suis très content et que Dieu les aide. Vraiment, je suis vraiment, vraiment épaté de voir tout ce monde ce soir. Vous savez, quand on fait des événements tels que celui du village, vraiment pendant une année de 5 ans, c'est pas évident que voilà, on voit cette diversité. Et aujourd'hui, la diversité était là, c'était la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est ce que nous recherchons au village Bété de New York. Voilà, donc je remercie tous ceux qui sont venus. Et vraiment, je dis à l'année prochaine. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.